Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, et Yindi Bandeko, Senko SCC. Attend toujours d'être reçu par les chefs de l'État. Boko zelati mo kolonini, bozonga na assemblée nationale. Ezaya kuinda, esi e yindi bande konanga. Allo, bande konanga ou baluba ke yindi n'état de siège. Sama Aituri, e a beni, état de siège bande ko boyoka, boko yoka ba député ou anor kivu makamba lubi. Il était d'abord à Ituri et puis lelo à Komina Beni. Boko yoka bande ko bexre po eza somo don eza ya kuinda don somo. Et puis deuxième partie toko loba sur mort ambassadeur à RDC au Sud-Soudan oyo Monsieur Tembele aya ko kufa na Bunia le samedi. Alors circonstance mobulu. Alors bande ko toko développant ensemble. Troisième point bande konangai. Boyoka oyo John Numbi azali ko sala si dossier ya Tchebe. Bande ko John Numbi azo sala tout parti exil. Tant boyoka makambo ya zo sala e ko sala bino do oka pasi. Do mawatro do tout le cop ba match ya ko saka na ngote. Alors toko développement ensemble. Alo, bande konanga to komi na premier point na biso, oyo SCC5 attend toujours d'être reçu par les chefs de l'État. Boye biso bande konyonso boza en ligne et émission bandi, tous à la connecter biso nous ensemble pour te développer ma solo bande ko po eza som. Bango baza déterminé na nenga mokite, et puis to yo kape message ya six confessions religieuses. Cela fait environ une semaine que Marcel Outembi et André Bokundo, respectivement président et vice-président de la plateforme de confession religieuse, ont écrit au chef de l'État. Bandeko, Outembi, Bokundo, va comme les chefs de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on va causer la réponse? Réponse, yaka, zela, 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 va ça va causer. Le problème qui est là, va causer la après combien de temps? C'est ça dossier où y'a mon nene Awa. Bandeko, ce qui nous a là, l'église n'a pas dit, ma kama politique n'a pas été côté Libango. Bandeko, ça somme. On somme bien que batu pena donc. Baza pena ko bomanzo to a partout les moyens. Pour kaka, ma souleleka. Mais nous devons comprendre une chose. Été, place basaye ko solo l'ensemble. N'a pas confié, ta bazo discute ma kambo ouyo. Il y avait quand même des lois, il y avait quand même ma structure et sali. Et puis la loi organique qui a été votée, et sali. Mais pourquoi bango ba dévier la loi organique? Balinko sola suite nango bongote, il préfère contacter les chefs de l'État. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Mboka na biseko continuer te na anarchie. Et comme il tato telemela makambo bandeko na ngai. To fungola miso. Parce que ko continuer te total à Makambo et je le canambo canabiso. Ce n'est pas possible. Ma confession religieuse, mouvement baso mema. Et ça coup baby sande tout. Ce n'est pas possible. Les représentants des églises catholiques et protestantes espèrent que l'audience sera accordée urgemment. Y égard au contexte délicat dans lequel se déroule la désignation des délégués des confessions religieuses
à la Commission électorale nationale et indépendante de la CENI. Bango ba kanzaki kande ba senga ki audience ba jimba la moko. Non. Donc toujours monate pourquoi chef de l'État recevoir bango. Donc ezana tina monte fatia recevoir bango. Donc ezana vraiment tina te bandeko. Parce que ba yokane ki soma kambo simbiti. Il devait aller à la commission paritaire, à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a une réponse à Fatisha qui répond devant nous à la Kaboum. À quoi recevoir Bangouti? Il y a cela une semaine, il y a un dossier, 4 jours, 5 jours, je crois. Alors, Fatisha a raison, soit il y a quoi recevoir Bangouti, parce que, à ce moment-là, il y a un salaté. Parce que tout est là si la loi organique, il fallait pas la loi organique, va suivre un mot de près. Bah, couille, bon, bah, ça, là, au cas, il y a des accords. Et puis, bah, il y a bien là-bas. Mais ils sont en train de dévier, bah, qu'il n'est pas Fati, sur quel, bah, qu'il n'est pas Népoissan. Bon, qu'il y a une commission paritaire, bah, n'est-ce pas, SEC, Senko, donc, catholiques et protestants, bah, ça a un problème sur lui. Le problème c'est quoi? Bazo mona te ndeni bako keni kokutana na chef de l'État. Donc bazo luka tous les moyens. Parce bazo lupa se bazo yebate et l'on est en sala sikolo. Parce que les 6 confessions basuki siba. Les 6 confessions de Jean lui pona bango. En tout cas mosala ceci. Avance. Du côté de la présidence de la République, la lettre a bel et bien été reçue. Elle est encore en cours de traitement. Confiée dimanche à un membre du cabinet de Félix Tshisekedi. Na bureau fache balobie, toujours lettre na bino. Ils en cours de traitement. Zela, tibo, zelibo, zelibo, de comme nous sommes fait ou te ma souleci. Bah, ils ont beaucoup aimé la commission paritaire. Et puis, c'est ça la réponse où le président va couper sa banque. Bah, c'est quoi ça clair? Ce qui coûte, ça ne va pas. Botin d'abat PV n'a bien non à l'Assemblée nationale. Et puis, beaucoup aimé la commission paritaire. Botisson, moutou. Et l'homme, bah, ce qui m'a coûté pour le dossier Kadim. Bah, ce cocaté qu'on répond de coûter la commission paritaire. Bah, on va le mec qui va pour mon chef de l'État, mais non. Nan dimite ka wemba bango. Alo bazeli pe mingi. Me ba yebi si bango ke le dossier est en cours de traitement. Ah, fachinde mokonzi. Aboude bango. Do baza na position wana. Ozo mwana. Ce qui fachia yebi ke. O to ba o sale zaka bambouima. Kolek sa ba l'air selma. Après bango le même batu bako ya. Glissement, glissement. Ozo mwana. Fachia zota la bango. Aigle, tala ba on a lu sur aigle bandiko. Parce que batou yo ba mystique. Hein? Ba ko seki sa yo, mais na motema te ibi na bisuti. Allo. La situation qui est là, bango ba komi na problème sérieux de bazawana. Do bazo e bate elo onin ba koko sala. Bandeko, situation oyo, toko yoka. Parce que, ndenge bazawana, bango mission na bango balingaki ke ba mutu na bango abima. Lokola mutu na bango kobimate, bakomi bloqué. Bazoye bate ou aller, toke na avant ou bien tozonga na arrière. Mais bazana seule direction eza assemblée nationale ko mona mboso. Nde mboso azawa na zozela bango. Alors, les 6 confessions religieuses. De leur côté, les 6 confessions religieuses sont déterminées. Bandeko botanga, pour elles, le dossier est clos. Denis Kadima a été choisi et son dossier a été transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est tout. Alors, si koyo, bango faut pas qu'il y ait une commission paritaire, ba le biso kuna na confession religieuse boyo kanité. C'est la loi organique. Tout va de tour à Messa. Yango bango bazo benga politisation. Alors que ce n'est pas ça. Bon que le tour à Messa, l'Assemblée nationale, bon solo là. Alors,
catholiques et protestants, ils ont banga ok en assemblée, parce que c'est question de boba autour na bam. Et l'okoni bozo sepela na deni kadimati. Jusqu'à présent, ils n'ont aucune réponse valable. Bazana réponse monte valable bana bana ko tuna bam makamba. Alors, quand il y a un problème sérieux, il y a un problème. Donc, l'église catholique est protestante. Il y a un grande église. Mais il y a une grande église. Il y a le nombre de confessions religieuses. Il y a une majorité. Au moins, il y a une compréhension. Il y a une gang. L'église est une gang. Donc, il y a un nom. La loi organique est claire, en cas consensus et joamité, alors, bouquet na majorité, bouquet na vote, et puis bouquet na assemblée, parce que l'assemblée na sur le négocialam. Bako keneka si la loi organique bako landaoum. Boyo kanete, bo ça va, tous les kana vote siko. On ne peut pas échouer, parce que les six confessions bako vote. Denika di mabango ba ishu. Yamba zo bo ya koke na Assemblée Nationale. Me so ki ba sali matato tu ba otia. Fatia wo yamba bangoti. Fatia wo tinda monga ba ke na commission paritaire à l'Assemblée Nationale. E pa ya mboso. Kunande pa masole kusina. Alo bande koranga. Eza ya kuyinda. E si e yindi. Fachi abude bango. Alo bande ko. To chika ngona bino. To kumo ke na desempo. Ano, bande konangai, to komi na deuxième point d'abisso, to ko divisant à peu près en trois parties. On va parler de l'arrivée à Samaloukonde, et puis évaluation na yesi l'état de siège, et puis on va parler, ya, oeza kouinda, oyo, ba député moussousu ya Nord Kivu baza contre, et ba député moussousu ya Union Sacrée ba sengi ba ngonyon souba ya, to sangan. Po, oeza, c'est l'espoir état de siège. Mais bamususu, au soi-disant de l'opposition, basa contre état de siège, baso linga yanguti. Alors, ça m'a qu'une évaluation. Tokoyo kabango. Et puis, na troisième partie, toko loba sir mori ambassadeur, na ba circonstances mo kitokote, passe à ambassadeur na Soudan du Sud. Mais eko koufa na bunia. Alors, tout le développement ensemble, n'est pas avancé dans l'émission. Donc, mort, mon mystique. À salle l'hôpital, 37 minutes dans Bounia. Alors, tout le développement ensemble. Alors, commençons d'abord l'arrivée de Sama Aitou. Le premier ministre est arrivé. Bandeko Aitou, à comment il a été, il peut à Béni. À Béni, à comme il est là. Et puis, à salle bilan, il y a état de siège. Et puis, tout le monde. Oyo ba député Nord Kivu, oyo ba zoloba sur l'état de siège. Bandeko, état de siège oyo, tant ba proclama ki ango le sime, batu nyonso ba zala ki d'accord nango. Et puis, ezala be fe moko positif. Mais bo yebi kake, banguna Congo ba tondi partout. Pona bango ba yebi ke état de siège oyo esili, bango pe masolisi bande ko tozana bitumba o ba bengango grand défi ce qui fatia longyango nde bande ke bele balobaki ah wana pendairu parce que makambo ezako sakana ngote awa même présence américaine eza makambo ezebele parce que ba voisin de l'autre côté baza déterminé pe bango ba osepelate yango si Uganda et Rwanda. Boyoka ki dernièrement ke bato ba ou Afghanistan musuba yena Uganda, Rwanda kuna pe azo benga bato musuba ok na nzela Libye et tout ça to yoka donc ben information e belé mais sans vérification. Tozo lo baka wana zaka les ondes. Pa toza na ba preuve ti oyu ya bata bazambala bakiti na Uganda. Toza na preuve na wote. Alors bande kobi tumboza makasi. Fachi baza vraiment déterminé na Samaloukonde. C'est ça l'autoluka. Dans la premier ministre akiti na Ituri et Abeni. Ituri bazoba que c'est pour la première fois na RDC bazwa premier ministre ya visite ku. Donc na lera ilungeza ki nzela nini
Lubumbashi. Na seka nanwa. Za pasi ya. Batu yu badirije mboka na biso. Ilunga premier ministre. Muketo ake Lubumbashi. Owa ake Maniema. Owa. Do atoye ake nipene na santra masola itura. Atura ndege nini ya wa makamu. No. Ake na jame. Kutuna bangundeni makamu wa bitumba otu zana. Ça fait mal. C'est le peuple Moutaloubi biso abatuti. Bande Bokolanda be excellente émission oyo. Pense que sama lukonde ba déterminé à kusili sama solo. Il revient de Bounia après un séjour de 48 heures dans la province de l'Ituri. La mission du chef du gouvernement congolais dans ces régions de l'Est est d'évaluer l'état de siège instauré par les chefs de l'État le 6 mai dernier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le premier ministre Jean Samalukonde est arrivé ce lundi Bandeko à Beni, à Woutinanu Ituri. Donc, on a un grand travail à Zosan. Alors, tout le monde a une étape de l'Ituri, bon, on continue la mission. Le Premier ministre a tenu une réunion d'évaluation hier avec les représentants des agences humanitaires œuvrant dans la province de l'Ituri, actuellement en état de siège. Cette rencontre à laquelle ont pris part les ministres sectoriels a été une occasion pour les humanitaires de faire part au chef du gouvernement congolais de l'état des lieux de leurs activités ainsi que des différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exécution de leur mission dans le pays. Le compte-rendu de Ezekiel Mouzalia. C'est depuis plus d'une décennie que la situation sécuritaire et humanitaire demeure préoccupante dans la province de l'Ituri. C'est à la suite des exactions commises par les groupes armés locaux et étrangers qui terrorisent la population dans les territoires des Djougou, Irumu et une partie des Mambasa. Plusieurs familles qui ont fui les atrocités des milices des Codeco, FPIC, des ADEF ainsi que des groupuscules des Maïmaï font face actuellement à l'insécurité alimentaire accrue. Cette rencontre a permis d'abord aux humanitaires d'étaler au pied du premier ministre les différents défis, notamment d'ordre sécuritaire, ce qui ne leur permet pas d'accéder facilement à des zones où les besoins se font sentir. De son côté, le président du caucus des députés nationaux de l'Ituri insiste sur les renforcements de l'effectif des militaires pour sécuriser la population, notamment sur les différents tronçons routiers. Pour Wilson Adirodou, la réussite de l'état de siège dépendra aussi d'un contrôle judicieux au sein de l'armée, que nombreux observateurs estiment être infiltrés par les sujets étrangers. Alors, bande koto landiwana était plusieurs sujets étrangers bazana katia conflit. Bande ko situation za mubulu. Donc makambu oye sala makune za somo. Botan ambassadeur ay ko kufi la kuna metezo ya napona. Ambassadeur ay abisho na Sud Sudan. Aya ki kuna kukuta anasa. Apo akuta anasa. Meba kuta ni kutute akufi meme avansa mako. Don weza ki tokute don mawatu. Alo. Bande konanga. Situation oyu. Oba lubake. Eza soma. Situation état de siège ben infiltré ya kusakana. Otito landi wana. De siège étrange. Wana ka ne tapi ya Ituri. Toza ne tapi ya Nord-Kivu. Alo. Ça m'a besoin de Benjamin Bayeba. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est au Lika. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et c'est au Tamboula bien. Mais, faire des cibles, on continue, ma soule. Bande quoi, arrivé l'armée américaine. Et ça, qu'il dit, bon, parce que l'armée américaine, il y a un avion, il y a des appareils, mais il y a équipement au sac à la route. Il y a un drone, il y a un bel. Mais, bisogno selo oni tozo senge pa ba Congolais. Bendele ekwete toza l'ensemble. Bande ko sobota la situation yubo ilandi wana nde balubi. Ba voisin balingi geru esilate. Yango y a des sujets étrangers partout. Ba telemele geru. Mais ça passe. ADF ba sali allié na oya ba Rwanda FDLR. Oto benga soi-disant les rebelles rwandais. Bango, ADF, soi-disant rebelles ougandais. Donc, il y a quelque chose à louche.
Fachakira okutana ba mpona kutia bonga na épreuve ba prison na tu Uganda na Rwanda. Ke tala population ta situation ou ta situation. Tango a ebisyon ba sululi. Un jour li kamuse robi ba ngomo ba ebi ke awa fachia otia bonga na kwa piège. Ndenga kutana kina ba. Que voilà, tu as échangé mes informations et tout ça. Mais bango so ba yé, on a nengé ya mayu. Baza na problème. Et puis, bango ba o sepelate présence américaine kuna na Nord-Kiv. Bazo sepelate. Bazo mona ke vraiment wa, ba américaine akata terre, donc, ba kop na bango koukoufou. Et oui, ba kop na bango tu es koussi là. Parce que tu yib ke guerre koussi là. Moi, j'ai l'espoir. Ceux qui ont des Congolais à la fois, ils ont mon accord, mais ils sont tous les gens qui sont parce que c'est facile, c'est facile ça. Et puis, problème, on discute dans Nord Kivu et à Nina Beni. Il y a d'autres députés, un groupe, M. Nabeni, tant que ce qu'on a béni, on a étouré le dossier dans le Sili. Tant que ce qu'on a béni. Nabeni Bandeko, le premier ministre est arrivé à Beni. Beaucoup de voix s'étaient élevées ces derniers jours pour dénoncer les théories qui se poursuivent dans ces deux provinces malgré l'instauration de l'état de siège. Dans son programme, le Premier ministre va revoir les autorités locales, les forces vives de la région, mais aussi les élus locaux. Akutana Bango Nyos, ba député wana, ayeba, qu'est-ce qui se passe? Bande Bogoyo, que ba député Nyos a crépé, va passer message na Bango. Mais tout yo kano travaille à Samalu Konde. Nabuni et na Beni, il est arrivé. Tu es arrivé naï. Bon, tu continues mission la mission. Madame, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est attendu aujourd'hui à Beni dans le Nord Kivu en provenance de Bunia en Ituri où il a séjourné depuis samedi. Aucune annonce officielle n'a été faite jusque-là. Néanmoins, des messages sur son arrivée ce lundi dans la ville de Beni sont diffusés dans certains médias de la place par quelques députés nationaux présents à Beni. André Kitenge nous décrit l'ambiance dans la ville. C'est ce lundi 23 août dans la matinée que Jean-Michel Samalou Kondé est attendu à Beni pour sa toute première visite de travail dans cette partie de la province du Nord Kivu depuis sa prise de fonction. Pour l'instant, l'heure est à la mobilisation de la population pour son accueil. À Beniville, une première annonce de mobilisation a été faite ce dimanche matin par le député national Kizerbo Watevia sur les antennes d'une radio locale. Ce député élu de la ville de Beni a indiqué que la visite du Premier ministre s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. Il invite ainsi la population à lui réserver un accueil chaleureux. Pour le moment, les attentes sont nombreuses à Beni. Le président de la coordination urbaine de la société civile dit attendre du chef du gouvernement la solution à l'épineuse question de l'insécurité dans la région causée par les rebelles ADF ainsi que d'autres groupes armés. Mais tout laisse à croire qu'il s'agira également de fixer la population de Beni sur l'opportunité de la prorogation de l'état de siège dans la région, critiquée par une certaine classe politique et certaines organisations de la société civile de la région. André Kitenge, Allo, bandeko nga tolandi wana. Critiqué par certains députés et sociétés civiles de la région, baza ko critiqué que l'état de siège est sali le côté et tout ça. Allo, et ça fait la malamouté. Parce que, so tali batouan tu baza ko critiqué en wezaka bandoki a Congo. O baza l'ingamboke bongate, c'est ça. Il faut te teremer la kamakambo ouyo. Ba député loko wana, botala ba on malamou. On va télémer l'état de siège. Parce que, bah, député, il y a un sacré, bah, petit message, à mon débozo, mon abangouar, toko tchèango, bah, on va le bif, faut supporter l'état de siège. Mais de l'autre côté, bah, député, moussous, un groupe, bah, loco, na, bah, la société civile, donc, on va se lier, na, soit opposition, na, bisou, bah, on va la contre, bah, on va que l'état de siège est sali, loco. Tout ça n'est pas le bisou congolais. Pourquoi esprit ma bébé, les Kamboyé pour sauver le peuple? Bah, il y a que ma Kamboyé, je suis ici, le peuple a commis la kimia. Mais Bango, ma zo, ça n'a pas embrouillé. Bah, comme il y a un démon, ma voisin, de bazar lié. Il y a un tir, ma zo, ben, ma collaborateur, ADF, ma collaborateur, ma Rwandais. Bah, ça, oui, belé. Alors, ma collaborateur, nous, ça, ADF, ma Rwandais, boti Kamboka, le bisou calme. Yo député ou bako zoyou, ou ko beta pena 20 ans na prison. Oye, bino tout bo zala contre. Bako kanga bino.
Parce que na kati na bino, ba yé ba ki ba député inyo sakwe bazali. Ba ko funda bino. Ba ko undi ma lisusu te. Buso ba na kati makambo oyu. Bandeko. Batu oyu. O bazo detul mboka EDC. Baza na klik na bango. Pona nini? Ba vwa misa mabumu na bango. Baza liye na arme. Ba liye na ba rebel. Ba liye na ba group loko. Ba liye atu. Bande bo komprende ke geru e sali so plus de 20 ans. Bo kanse ke fachia si le sanka na 2 ans a koti na pouvoir. Non. Fachia sa na bezwen a tan. Men. Et le conduit tout l'année en extrémité était prorogation de l'état de siège nécessaire. Tima Kambonyo ceci là. Elles allaient comme une autre année prochaine et continuer. Problème est ça, on est ça. Bah, gouverneur, Moussouana, bah, comme le gouverneur à Nord qui venait à Ituri. Bah, si on a évité, bah, si on a quoi comme bah, chômeur, on ne sait pas. Mais. Ba gouverneur militaire ba yé po ba sile sa moussala. Ba se banda kalawana. Gouvernement le 20 ans, yato le ba chef bandikunanga ki ba bomi mboka. Ba détruire EDC pendant les 20 ans, yango zo mona, ma kambo te zo vivre. Peuple a zo souffrir à partir du gouvernement ou iliki. Tout l'anda sikoyo, extrait ya ba député yinyo sacré. Boyoko balubi pour bo comprendre niveau ni ne fatia zo memamboka bon to continuer mission na biso. Retour au Nord Kivu, je vous le disais en titre, la plateforme politique Union Sacrée pour la République appelle tous les acteurs sociopolitiques de cette province à la retenue. Dans une déclaration politique faite samedi devant la presse, le point focal de cette plateforme invite toutes les filles et tous les fils du Nord Kivu à bannir leurs divergences politiques et les exhorte à regarder dans une seule direction pour soutenir l'état de siège qui reste le dernier rempart, selon lui, pour la sécurité et la stabilité de la province. Au regard de quelques avancées déjà observées dans la ville de Goma et sur l'ensemble du Nord Kivu, Patrick Bala, point focal de l'Union Sacrée pour la République, reconnaît qu'il y a malgré tout des défis à relever. Il le dit au micro de Gabriel Ouaménia. Contrairement à certains députés qui sont montés au créneau pour demander la fin du siège, pour nous, nous allons dans un sens où nous nous disons, on a tenté plusieurs, il y a eu plusieurs essais qui ont échoué, mais cette fois-ci, la manière dont le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de marcher, nous voyons que ce souci d'éradiquer en tout cas cette insécurité s'est fait sentir. On a mis trop de moyens, vous avez vu, il y a eu des détournements, mais cette fois-ci, on détourne, on est arrêté, la justice aussi est en train de faire son travail sérieusement. Nous pensons que dans ce sens, on va perdre la paix. Je pense qu'on doit avoir un seul langage. Le langage que nous devons avoir, c'est celui d'avoir la paix, qu'on puisse instaurer la stabilité, la sécurité, c'est tout ce que nous sommes en train de chercher. Imaginez-vous à cette étape, on arrête l'état de siège. Qu'est-ce qui adviendrait? C'est-à-dire que c'est le chaos. C'est-à-dire en ce moment-là, les groupes rebelles vont défier l'armée. L'armée sera déconsidérée, on sera considéré comme défaillante. Mais comment vous le croyez? Non, parce que pour nous pensons qu'aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout. Nos députés qui ont fait 2 ans sans produire même un édit aujourd'hui, sont-ils capables d'aller juger ceux-là qui ont fait 2 mois? Il faut être un exemple pour demander des comptes aux autres. Ils ne sont même pas un exemple. Rappelons que depuis l'instauration de l'état de siège, le taux de criminalité ainsi que des cas de kidnapping ont légèrement baissé dans la ville de Goma et dans quelques agglomérations de la province du Nord Kivu. Allô, bande koto landi wana ba député nyonso et nyo sacré, message na moza clair. Été, et comme tant oyo, tout dit opportunité, ta de siège, ma kambo yo ici. Parce que oyo tout au landawana, ils en a tinati, biso tout au zarabomoko. Mais, boba tikaliwana, oyo nyon so bazo loba, sur le chef de l'État, bandeko, eza mawa. Parce que facha yibike, ma kambo yko si la. Donc, situation que vous allez régler. Alors, Batou va évidemment très bien. Mais il faut voir les choses bambrima. Mais bambrima, c'est aussi tout le temps bambrima. Fatina Union Sacrée va décider. Il y a aussi les samakamboui. Bisounio soba congolais. Tous à l'ensemble, tous à la cima chef de l'État. Parce que Bangouna va télémine en denga moukiti. Bandeko. Tolandine ekisirewana.
que ezana batu penoyo ka pena ke dombaza contre état de siège pona bango échoué po bango bazolinga fachi alongati alors que le hotel intérieur ba peuple yo zo talaka ke voilà fachi a joué échec non et le bozo po sen échec a fachi za peuple a continué ko souffrir et biso toko ko accepter yango te ba congolais. Changement de mentalité. Hein? Boti kaba de face. Kote obo lobi boye, kote obo kebwe non. Togo tambo la bongoti. Ede so ton totonga. Eza ede se oye Kongole nyos to zara bomoko. Tana sama lukonde. Bande ko azo kendi. Na ba plas wana. Bazana posa ke gero yo esila. Eza décision pe bazana posa. Tolandi wana. Eh? Eko za la soni pona biso nyoso. Arme ba bundi ba bundi. Eh? So e simbite za soni abiso nyoso bo katseke yo kapo na fachi. Eh? Totika motema mabeto zo bo mabandeko. Tolandi biso nyoso nyosa krene ba lobya na mawa. Eh? Bandeko nyosa krene ya nor kivuna ituri felicitation. Poboza pena determiné. Bola na banguna Kongo te batondi ya kosaka na ngote. Mission na bango ezaki. E simbate. Pourquoi? Parce que baza contre le chef de l'État. Mais to kene bwe ti wapi. To ko avancer mboko ndenge nini. So ito zana mentalité ya bwe. E saki to kote. Bande ko esala apasi na mawa. O tali mboka na yo. Ozo tala pena batunde bazo tambola makamba zoloba oyo kina mawa ba kongole to fungola miso na makambo ya Nord Kivu ya trop ba sije étranger ba tondi na kati ba commandité ancien régime ba vandi pendant plusieurs années ba sale lokoti alors ils a passé pe mawa bandiko alors to tiki pona maboko na bino. Bandeko inyo sakre baza determini. Poete basili sa. Ba opona baza kwa apuyete eta de siege. E salama. Eko zale sengo pona mboka na biso. Alors. To zala konekte bandeko a Nord Kivu. To zala ensemble. Po bendele kweyati. Biso nyo sima chef de l'ita. Alors. To ke siko na point ya ambassadeur. Bandeko mor moko. Ba omo wazo bengango. Un peu compliqué. L'ambassadeur de la RDC au Soudan du Sud, René Ilume Tembele, est décédé le samedi 21 août à Bunia, dans la province d'Ituri. Il est mort dans une structure sanitaire de la place, dans des circonstances non encore élucidées, pour l'instant. Donc, ils ont mouru. Les ambassadeurs sont au Soudan du Sud. Alors, à partir du Soudan du Sud, Aïe Bounia. L'ambassadeur a la mission officielle. Beaucoup yoke extrait. Aïe Akoutana. Nana na Samaloukonde. Pas Samaloukonde. Azoya na Bounia. Qu'est-ce qui s'était passé? Hein? Maladie kaya mouki. Aïe ki ba malaise. Moutaki. Mais a somo. Na soni. Beaucoup yoke un extrait. Alors qu'il était même allé. Kukut ko yamba mukonjo azoya. Oya. Gouverneur militaire, bakuta na pe. Et puis sa malukoni. Et puis ba yebe arrive na yena. Na bouni. A koufi na nini. Tata batu. Akati si ba zone wana nyos kukuta Soudan du Sud. Pase zana musikate na bouni. Ti na bouni o. Wo. Alors, il y a un hôtel, il y a un extra. Mais, a rendu l'âme à l'hôpital, à Salika, à 37 minutes. Alors, tout le monde a extrait, bon, on continue la mission.
Restons à Bounia pour signaler le décès de l'ambassadeur de la RDC au Soudan du Sud, René Iloumé Tembélé, est décédé samedi dans une structure sanitaire de Bounia dans des circonstances non encore élucidées. Des sources sanitaires précisent qu'il est décédé après avoir piqué une crise. Son corps est gardé à la morgue de l'hôpital général de référence de Bounia. Pour l'heure, les autorités provinciales n'ont fait aucune communication à ce sujet. Explication Jean-Claude Lokidile. C'est depuis le lundi et le 9 août dernier qu'il est arrivé en mission officielle à Bounia où il était logé aux frais du gouverneur provincial dans un hôtel de la place. C'est ce que nous a déclaré un agent de cet hôtel. Si l'objet de cette mission n'est pas connu, du moins pas des officiels contactés par Radio Capi, certaines sources déclarent qu'il avait un rendez-vous de travail avec le gouverneur de l'Ituri. D'autres sources renseignent que l'ambassadeur de la RDC à Juba devait aussi avoir un tête-à-tête avec le premier ministre Samalou Kondé qui séjournait à Bounia. S'agissant de sa mort, aucune source officielle n'a fait une communication pour l'instant. Des sources proches de l'hôpital où il a rendu l'âme ont indiqué que René Iloumé n'a séjourné dans cette formation médicale que pendant 37 minutes, le temps pour l'équipe médicale de tenter de sauver sa vie. Selon leurs propos, ce diplomate a piqué une crise qui l'a emporté. Et pourtant, souligne une autre source, hier samedi, il aurait fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir le ministre national de la Défense qui venait d'arriver lui aussi à Bounia. Son corps est momentanément gardé à la morgue de l'hôpital général de référence de Bounia en attendant la décision de sa famille. Information confirmée par le directeur de cette formation médicale, Bounia Jean-Claude Louis. Alors, Bandeko, et ça ne l'a pas si peu mort. Le samedi, il était à l'aéroport pendant qu'il y a un gouverneur militaire. Mais, Mawa, exactement, le même samedi, na tongo azala ki n'aéroport, le même samedi, na pokwa a ekokouf. Mal don a belite. Kaka malaise et salie. Mais des sources proches de l'hôpital général de référence de Bounia, où il a rendu l'âme, l'on indique que René Iloumé a séjourné dans cette formation que pendant 37 minutes. Selon leurs propos, ces diplomates avaient fait une crise sans préciser la nature. Son corps est momentanément gardé à la morgue de l'hôpital en attendant les formalités administratives. Ma kambouya, bisouya, esto batu baza kusila. Tata batu. Ambassadeur na Soudan du Sud. Aye kokuta na autorité na Ituri. Tata batu alekani. Na ba circonstances moi qui t'okouti. Des circonstances non encore élucidées pour l'instant. Et je sala pas si pémao. Alors, ma condoléance, c'est pas ma famille biologique, naï. Bana, moi, si, et tous. C'est ça, pas si. Si, quoi, il y a un monde qui va guérir, donc, nombre de bateaux, les bateaux, ça, aussi, là. Parce que, ça, n'a pas tout, moi, qu'on va vendre les guérir. Pas les guérir, ici, là, dit. Ce qui a élevé cette information. Nana Koyeba, as ambassadeur, as diplomate. Peut-être qu'il y a une information, mon secret. Bango, il y a une vraie info. Bah, il y a une salle de ma soeur, peut-être. On n'a pas de preuves. Mais ça fait mal. L'Iwa brusque, il y a la caca soupçonnée. Peut-être avec quoi il y a une boca. Il y a une information, mon wakitoko. Ah, mon kilié. Nzamba yebi. Liwana yi. Mais tout le monde a cherché. Batou nyon so balingi RDC avance. Batou wana. Bakou futa. Tout ça. Ça c'est notre pays. Tole la kale nyon sa ba studio. Ozo pe se mission. Ozo salona pasi. Mais tant que pas si obisson sur yo kaka sana ba abonné, ba commenter, ba tunion sur basan a posa, guerre wa esesina. Mais ba ou ba vandi si malango. Toza wa. Eko yinde la binon denge moko. Tant que siffle ko beta lumbe lumbe, moussoa ko atako kat sa frontier ti. Toza wa. Bo continue kako nyoko la ba Congolais. Na ba defas bozanango. Côté au bozo l'axe bowling état de siège, côté au bowling n'a pas d'état de siège. Bah, député, bah, ça divisé.
y a union sacrée balingi état de siège, ba député musu balingi te. Mais to ko avancer comment boyo kanezate na mboka na biso. Boyo kanezate. Président de la République a sala nyoso pona mboka e bonga. Mais banguna na bandoke kogoba telemi na ndenga mukete. Mais est-ce que vous avez un casque pour les Nzambi? Les dieux là, on a fait ça là le 31 décembre. Nzambi on a couru sa vie sur son état. Fatia tchèque a nous mouvement de ma boko dans Nzambi. Et puis tu continues de causer passion parce que tu causes la victoire. Tu as un espoir. Alors, bande de Congo va terminer dans les mouquettes et ça m'a. Alors, bande de Et ça passe pe mawa. To tiki premier point abino, to komo kenena. Point abiso, deuxième point, je m'excuse. To ken suko na troisième point abiso ya suka. Allo, bande konanga to komi na point abiso ya suka. Boyoka, oyo John Numbi azali ko sala si dossier a chibia. Me avant me to kota nango, bande kozo sala passe pe mawa. Ke Justice na biso, il faut battre la malamu, na batu nyoso wazo tika batu ba kimaka. Aza en exil, mais aso sala ba dossier, na cour constitutionnelle ba o débattre, aso kotsa ba dossier, cour constitutionnelle ba na chouate, il faut battre la pe ba dossier ya komi, il faut battre la yango. Yango na comprendre na sepele ba commentaire ba congolais avec même kota na point oyo si mata tamponi bande ko ba message bo pese yokani mata tamponi jamais ba kotika iba ke no je traitement libanda akoko sala ta neni ne ko simba te pasa ko kima azana poison ba traiter na RDC tala makamu tozo vivre comment bo kotika mata tamponi tala makamu tozo vivre. Jeune Afrique a fongoli ba Congolais. Bande ko batu yo. Eza mawa. Dona kata EDC tozana be infiltré, tozana batu. Oyo bazo supporter ancien régime. Nandenga mukete. Bazo sala ba kop nandenga mukete. Alors, jeune Afrique mouta fongoli ba Congolais. Biso tozota. Comment John Numbi a tenté de faire échouer les poursuites lancées contre lui. À partir en exil, ba kopezo salamana EDC na ndenga mukete pour kaka cour constitutionnelle a renversé dossier à loi banda le loto annulé poursuite judiciaire à John Numbi. Bozana reta. Cour constitutionnelle kakouyo. Eh. Kako fati a installé. Eh. Koutika ba jeko. Ba kop ne mnyonyo so ezami pepe. Eko simbati. Sobo ke na cour de cassation. Bo eko simbati. Bande ko dossier za mobulu. Ma kila ya chebe ya eza ko nyingisa. Baza malalege. Les si où le général congolais a essuyé un revers devant la cour constitutionnelle, devant laquelle il avait discrètement tenté de faire invalider les poursuites engagées contre lui. Jeune Afrique livre les coulisses de ses bras de fer. Bande kweza somo. Ma kamusu soado mwenyo so mwato tiantandangwezate. John Numbi a engagé le combat devant la haute cour militaire de EDC, poursuivi et recherché officiellement depuis le 14 avril dernier pour association de malfaiteurs et assassinats dans l'affaire du décès de Floribert Tchebeya, Bandeko et Fidel Bazana. L'ancien général a décidé de se battre sur plusieurs fronts juridiques. Ce qu'on peut comprendre. Quand quelqu'un se bat, Bandeko, na plusieurs fronts, pour comprendre les batailles, voilà. Et le bimakamwebe,
plusieurs champs de dons. Côté Azako attaqué, côté Azako attaqué, à partir de son Zimbabwe, sur la place Azako attaqué de partout. Ah! Et des Nabissou. Bandeko, ils ont ça la passipé mawa. Situation Oyo. Bandeko, ils ont ça la bissona passi. Comment battu au bazar à l'étranger, mais bazo ça la nuance. Bota la date, le 23 août 2021, à 16h, aujourd'hui même, à 16h, 6 minutes, j'ai en Afrique à Bakongo, le talama kamutato à Zosal. Justice Nabissou, il faut que le bataille ait un bien. Parce que le candidat peut être comme la Cour constitutionnelle, il est qui kamena be tapi bili. Bande kuna haute cour militaire à Zobunda. Donc, les Congolais ba zoye bati, ba wa monka muta kimi ba pesie non, non ya Zobunda, ba longola yango akoma homme libre. Ce qui le ba longola yango, homme libre a zongi na ebi, c'est si li ya za soda, bino bo si bo lomine ka komi libre, wane za problème. La question qu'on se pose, est-ce que justice n'a pas yibi exactement les lieux placés à ça? What is la première question? Deuxième question, ce qui va yibi placé à ça, pourquoi pas officiellement contacter les autorités de ces pays et te ba extraditer à Zongana RDC? C'est ça la question. Fachi, il faut la justice n'a pas partout malam. Mama Rose Mutombo kote na justice. Tala makambo ndenge zoleka. Bo tala yango bien. Bandeko, iloko tozo comprendre awa. Eze loko mongo to, bino pe bo comprendre bo mona ke toza ensemble. C'est-à-dire, John Numbi azo kukali su exilti. Do kuna azo kukati. Bon, un téléphone, kaka moi et mais ça ne va pas. Hein? Bon, denga, ça ne va pas. Nazo kukate. Oui, c'est ça. Olingo zonga na EDC. Zonga, oya ko samba. Ezate ke ba nile ba poursuite judiciaire. Non. Moto n'exil, zonga ya ko samba. Yango zomona ba Congolais bazana kanda ko sakante ba dossier ou. Tu kona ba dossier yo ka Congolais kolé do baz kobina oyo ka ka kolera ko sakana nguti. Pase ba bomo nango do justice so trop si trop ba komo na ke justice za korompi. Ba Congolais to telema. Ba toyo mboka na biso botala ka ndenge komaki. To consibile sou ma kambo ete. Trop c'est trop. Bande konangai. Si li waya fulube tube ya. E nini sa ki mokili. Tala banana ye, mwasi na ye. Eh? La veuve. O aza yepe la veuve aza en exil. Mais il y a un groupe abattu. Bazo beta ba kop pour makambo oyo ba annuler yango. Non. Toko avancer bongote. Toko avancer bongote. Bandeko. Ezo sala pasi pe mawa. Komona koma il y a un groupe d'individus ba tamsimbo ko pendant les 20 ans. Bazati ko continuer ba kop na bango pour na ko Koubebi sa justice, oyo fatia yepo abongse la biso, la justice état de tout. Donc, so tali bien, eza lokola, bazo linga pena ba sabote justice oyo. Mais, nzambe wana, akotika biso. Bandeko, batu oyo,
ba sali sali mabe me ba ye ba ke e komi tamba kangama. Alors, si ko tozonga na question oyo. Ba démarche o banani ba za ko sala ya. Ese ye moko esa makansito opesa. Ese ye mo pa ye pa kotine wana kasumba lesa a sali pe masula zongi. Est-ce que ye moko pa ye akubye batu na ye ba katsaka ba ke ba sali masolo na Zambi pe ba zongi? C'est ça question tozotu na. Bande ko situation za mobulu. Soki le loyo. Toi ba prévo bazo laxa na cour constitutionnelle te. Mais tu as confiance à la cour constitutionnelle parce que tu as trahir la situation où parce que mon kili est kotan. Ba preuve est tellement à tout, yaya yebi ke soukanaye, ba ko kangaye. Naba pays exil, peto ke naba pays voisin. Exilé politique, ezate moto abomi moto. Comment moto abomi moto sa la exilé politique? Yo bomi mutu. Il faut qu'on samba justice ba joyo. C'est pour ça que l'exil ou jamais dans le pays européen ba ko accepte ngo ya pena France. Oye pena oke pena ofro. Oke bo bwa ki olobi oke ngai ne ko kima pona bomi mutu. Mais ba français ba ko zong sa yo. Ba allemand ba ko zong sa yo. Ba américain ba ko zong sa yo. Ba pays africain ma watu. Bozo comprendre en côté d'exil batuna biso nyoso akobo ki me exil na ba pays africain mais li bosso baza o ki mawa li bosso baza o ken ba pays européen mais le lo ba ki ma sino ba pays européen te ta la situation pourquoi ba mususu baza na katye ba rapport ma pink ba nzele ba côté monsieur koma ba nzube pona bango. Depuis ba mona dossier Roger Lou Obakanga qui est en France, bango tout ba kuma ko kim. Na ba musu a senga ki ba ki ko traité na France, a senga ga li chuti. Abina ba nda kwa France abo va na ya chuti na va na na makala. Oh, mais o senga ba ko traité na France. Senga o kende. Ba senga a chuti. Watu chika ona bi. Ba ndi ko za mubulu. Kikaya uto kima wapi? Pays Afrika. Et puis, na, à partir d'un pays africain qui a zoti na message, qui a combattre la dictature na l'église. Batu onyon so yo, basa batu mou fou ba renvoye bango. So ba pays africain, pere ba salamo, salam bien exil, ba zong sa bango. Monte yo kou bwa kaba tali, yo yo bwa ka dossier mou. Fou zong sa bango, mais, Afrique nyon so yandenge moko. Bâtir moi ma dollar le colla mise personne pas lui mais situation dossier à sérieux donc général John Numbiazo sala tout à longola combo naï donc cour constitutionnel les a couillé mi colo na ba dossier à John Numbi j'ai ne fait ce qu'a bimisi a bimido les a vérité alors situation les a mobulu donc tout c'est qu'à merci na jeune Afrique au révéler biso ba congolais mais biso pe to kutikati. Info chaque jour toujours là dedans. Alors ben de quoi ça passe pe mawa. C'est à ce point de comment clôturer mission na bisou. Bon abonner massivement, bon continuer à partager. Au revoir, à la prochaine.